Oui, c'est la vie d'une entreprise, c'est le futur d'une entreprise. Vous savez, dans le métier que je fais, qui est un métier de passion, comme beaucoup d'autres métiers, entre autres la cuisine, il y a déjà le plaisir de faire ce métier, mais en même temps de transmettre. Je crois que le bonheur qu'on a à apprendre à le faire, on a envie de, voilà, que derrière, des jeunes le fassent à leur tour et à leur façon, quoi. C'est ça l'apprentissage. C'est en même temps un cri un petit peu aux entreprises, parce qu'il faut reconnaître qu'on est un peu frileux pour prendre des apprentis, parce que non seulement c'est leur apprendre un métier, mais c'est tout ce qui va avec. Il y a une formation, leur donner que chacun trouve bien sa place dans l'entreprise. Mais on ne peut pas tous les jours dire « je manque de collaborateurs, je n'arrive pas à trouver du personnel, je suis obligé d'arrêter des chaînes de production » ou on le voit en restaurant, des restaurants qui ont même fermé parce qu'il manquait de collaborateurs et d'un autre côté, ne plus prendre d'apprentis, quoi. Je dirais, il y a un moment, il faut faire ce geste qui va être accompagné. Il faut savoir qu'il y a des mesures qui ont été mises en place pour aider l'apprentissage. Et à un moment ou à un autre, se dire, à un moment ou à un autre, vous allez prendre du plaisir à former un apprenti, parce que c'est la continuité de votre métier.